Tu quittes chez toi, tu pars au travail. Une fois au service, tu laisses ton bureau. Assis à la cafette, avec des débats. Quand il y a des grèves, c'est toi qui es devant. À la fin du mois, tu réclames ton salaire. Si tu aimes ton pays, pourquoi tu fais ça? Et en plus de ça, il est toujours en retard au service. Et le premier à descendre. Comment on peut avancer? Si tu aimes ton pays, pourquoi tu fais ça? Si tu aimes ta nation, pourquoi tu fais ça? Et c'est toujours lui qui a un empêchement qui fait qu'il doit s'absenter. Tu quittes chez toi, tu dis tu pars au boulot. C'est l'heure de descente, tu pars au maquis. Après le maquis, tu pars chez ta go. Si tu aimes ta femme, pourquoi tu fais ça? Tu aimes ta bonne et aussi la secrétaire. Si tu aimes madame, pourquoi tu fais ça? Et toujours c'est lui qui est fatigué, c'est normal, puisque tu viens de l'autre côté. C'est ça même. Tu es secrétaire, tu viens au boulot. Tu insultes tout le monde et lorsqu'on te parle, tu fermes tes oreilles parce que le boss c'est ton gars. Et puis vous te forcez pour regarder des ordinateurs, des WhatsApp, des Facebook et puis les clients là se forcez pour vous regarder. Hey, madame de secrétaire, pourquoi vous faites ça? Tu es agent de bureau ou un espion, tu te joues les gentils, pourtant tu es mauvais. Tout ce qui se passe, tu racontes au patron pour qu'il y mange les gens. Pourquoi tu fais ça? Si tu aimes tes collègues, pourquoi tu fais ça? Tu aimes ton service, pourquoi tu fais ça? Toi, tu es GSK, non? Après, c'est pour nous parler du bonnet ou du pébré. Tu es un citoyen ou un oui ou un non? Tu casses quand on veut parler. Tu dis tu t'en fous que tu connais des gens. Si tu aimes ton pays, hey, pourquoi tu fais ça? Ah ah, pourquoi tu fais ça? Eh eh, pourquoi tu fais ça? Ah ah, pourquoi tu fais ça? Eh eh, pourquoi tu fais ça? Tu es jolie, tu vas faire ta vie. Tu es avec Ismaël, tu es avec des varieux. Tu es avec Jean-Jacques, tu es avec Germain. Tu es avec Salif. Hé hey, ma soeur, on dit celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose, vrai ou faux? Mais apparemment toi tu en as plusieurs. Donc si je comprends bien, tu veux prendre un peu de ceci et un peu de cela pour faire ta vie. Après, quand tu auras une grossesse, c'est pour devenir Zara de Bourma. C'est clair net. Toujours en sexy sur les réseaux sociaux. Quand on veut parler, tu dis toi tu t'en fous. Que tu veux faire ta vie. Ah, pourquoi tu fais ça? Ma chérie, pourquoi tu fais ça? Il y a celles-là qui viennent au service avec les véhicules de leur mari pour impressionner leurs collègues. Avec le gros téléphone, bien sûr. Elles viennent présenter leurs belles coiffures ainsi que leurs beaux habits, comme si nous étions à un défilé de mode. Ouais, je ne peux pas porter la même tenue deux fois pour aller au service. Mes collègues vont se moquer de moi. Je ne suis pas prête d'abord. Ah ah, pourquoi tu fais ça? Eh eh, pourquoi tu fais ça? Que chacun préserve son nez.